Bon retour, mesdames et messieurs, vous êtes tous sur LN TV. Nous suivons notre édition de analyse avec le sénateur Kedler Augustin, l'élu du Nord-Ouest, qui est avec nous là pour nous capables de parler, bien sûr, de réalité politique là en Haïti. Yon pigou leitmotiv, président Jovenel Moïse, en plus de saldi pour mettre de l'eau à yo avec Mounio ensemble, qui était slogan de campagne, l'identifier yon pigou cause qui fait payer ça dans la situation de yon yon dia là, corruption, 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 corruption. Et un peu le monde pensait que le Parlement a supposé yon levier qui t'a pour accompagner le chef de l'État dans cette campagne. Et. En Mafoussaï, monsieur le sénateur, après on a posé question si le président à les Nations Unies l'identifie corruption comme un frein au développement du pays, il arrive en France de parler de corruption et non pas qu'on jamais senti dans la pratique en mise en œuvre d'une politique qui est visible pour combattre la corruption, ou même qui est proche PHTK, qui est dans la coalition, qui est dans la majorité. Comment expliquer ça, cette timidité? Et moi, parler de sa timidité, moi, je dis tout simplement il faut que la population continue la bataille pour qu'elle mette l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Parce que aborder un problème corruption, pas demander un slogan, ni un monde qui a parlé, vous et monter. Demander une analyse tête fouette pour garder la question du point de vue normatif, législatif, pour garder du point de vue institutionnel et du point de vue pratique. Si nous prenons du point de vue normatif, nous pas capable de commencer par là, parce qu'on a parlé de démocratie, d'état de droit. Et quel que soit le repère, on est capable de gagner, c'est la lettre de la loi qui a défini la question. Ça. Et si vous n'avez pas lettre de la loi, nous tombons dans abus d'autorité, nous ne savons pas comment on a fait sortir. Si nous prenons l'arsenal juridique pays du point de vue normatif, et bien qu'on tombe en opportunité pour nous attendre, les gens vont monter. Parce que vous monter à facile dans le pays. Vous avez un organe que vous pour veiller la question, ça, les coûts des comptes. Maintenant, si je prends un coup de compte pour me garder, est-ce que la Cour des comptes a les moyens de sa mission, tel que j'ai confié dans la Constitution? Ou bien l'autre organe qui est fondamental encore, c'est le Parlement. Pour moi, c'est deux organes qui sont fondamentaux. Maintenant, là où il n'y a pas de résultat sur le plan ça, par exemple, le Cour des comptes presque pas d'arrêt, de débat, c'est-à-dire que côté reconnaître que le monde a volé l'argent de l'État pour voler devant le tribunal. Malgré tout, les gens après les n'ont pas grand l'arrêt de débat, il faut que ça t'a pour tout réfléchi. Ou bien parlement tout, des fois, au lieu de vous l'enlever, vous venez dire c'est Mimi qui a le voué. Donc, qui soit Vingado, Vingado, exécutif là, il a regardé comment il a contrôlé le parlement. L'homme dit exécutif, il a dit ni président Aristide, ni président Martelly, ni président Préval, c'est tout exécutif d'après le régime. Non? Qui essaie de contrôler le Parlement. Si vous avez une bonne mémoire, qui a songé qui s'est formé, comment vous avez fait, que le sous-Martelly, que le sous-Préval, que le dessous Aristide. Mais toujours une tentative pour contourner sa constitution, pour contrôler le Parlement. Est-ce que je dis que son bagage subjectif, je ne dis pas ça, c'est politique. Que oui. Mais combien de monde qui était dans le Parlement, qui te dit que je suis moi-même tout, même si je supporte ton gouvernement, même si je limite, je ne pas parler. Ou même si c'est président de la majorité, même pas faire distinction pour me dire que c'est Préval, c'est Aristide. Peut-être qu'elle va là-dedans. Et ces gens ont besoin de courage. Ça. Je dis, l'opre en Parlement qui t'a supposé faire contrôle ça, en pile fois, c'est une compréhension de mission parlementaire. Même les gens qui sont dans le Parlement n'ont pas vraiment comprendre la fonction parlementaire. Je prends par exemple la question Petro-Caribéa. Je crois que tout Haïtien attendait parler de question ça. Mais est-ce que les gens entendent la vérité sur la question ça véritablement? Nous avons remonté, nous avons fait but. Or, si la question ça a présenté là, c'est que tout nèg qui était sénateur dans la période 2008 à 2016, il faut que la population t'a posé tête question pour demander est-ce que vous êtes compétent pour travailler là. Côté dans tête calée, côté dans la valance, côté dans tout côté. Parce que, justement, le parlementaire, dans la fonction pâle, il a le contrôle de l'action gouvernementale pour l'exercer. Si vous estimez qu'il y a des choses qui ne sont pas assez bien, il faut que vous êtes capable d'inviter, convoquer, interpeller les gens. Et s'il est possible, bah, une motion de censure sur ta découverte dans l'enquête ou des bagages qui fait. Et c'est là que nous allons probablement comprendre le rapport du sénateur Yuri Latortue, qui est ancien président du Sénat de la République, ancien conseiller du président Martelly, qui lui-même, à travers la commission anticorruption, qui fait une enquête, qui venait avec quand même des conclusions et des recommandations. Et des recommandations, pendant que, je parle du que, et justement, ça a montré que, dès le départ, tu as une compréhension des questions. Un rapport, collègue là, même s'il fait partie majeure comme ça, son rapport
inconstitutionnel, illégal, mais malheureusement, il y a allé. Pourquoi ça est inconstitutionnel et illégal, sénateur? Inconstitutionnel parce que ou pas capable faire une commission. Premier bagage, je parle de que la commission que vous créez là, c'est pour une commission qui existait dans le règlement interne. La commission est la commission éthique et discipline. Là, vous avez besoin de tête de mission pour un bagage que vous n'avez pas de gain pour vous faire. Vous changez, vous dites, pas de connu, vous venez comme vous après. Vous dites que vous avez amendé le règlement interne. Ce qui est possible parce que le Parlement a un droit d'amender. Je vais amender puis vous créez la commission éthique et anticorruption que vous avez le sénateur La Tortue après Steven Benoît. Donc, une fois que vous avez ça, le problème qui vient, c'est que éthique et anticorruption, c'est la commission, mais tout article qui est dans le règlement interne, c'est pour éthique et discipline. Donc, il n'y a pas aucun article qui parle de questions de corruption, son bagage, vous avez tête. Parce donc, que ça, au niveau de la forme. Là. Au niveau de la forme. Mm-hmm. Parce que la mission, ça, c'est coup de compte qui doit vous faire. Si le sénateur en fonction, par exemple, je veux contrôler le ministre des Travaux publics, je peux l'inviter, je peux le convoquer. On est capable d'interpeller le tout, on voit l'aller. On est d'accord avec moi, sénateur Kédo Gustin, que la Cour des comptes, c'est purement un tribunal administratif lié. Non, la Cour des comptes, c'est article 200-2, mm-hmm. Et pas un purement tribunal administratif. Mm-hmm. Il y a trois attributions. Il y a une attribution et capable de contentieuse pour juger, mm-hmm. comme tribunal. Il y a une attribution financière. Il y a deux sections. C'est-à-dire que c'est lui-même qui est là pour auditer les comptes de l'État. C'est-à-dire que le monde qui était comptable et ordonnateur des fonds publics, c'est lui-même qui peut auditer d'ailleurs dans le cours des comptes. C'est ça. Qui peut faire dans le rapport qui fait, dans le deuxième rapport, le rapport externe, le rapport qui était élargi, qui est dans la tête des sénateurs évalués à Beauplan, qui est même allé encore plus illégal loin, et inconstitutionnel. Plus loin du rapport sénateur et d'attitude. Illégal. Je ne pas aller dans c'est un fait, ou même fait ou pas bon du tout. OK. Il est venu avec des noms des gens qui ont épinglé. Maintenant, les gens qui suivent de l'extérieur, qu'à comprendre que tu as gagné des problèmes au niveau de fond ou de forme ou bien même de politique. Mais quand on voit au niveau international qu'a souffert là, sénateur qui est peut-être ou pas ignoré, il y a un pile chef d'État dans le monde, là au Brésil, lui là, il y a un dit là, il fait mon côté. L'ancien président Sarkozy allait devant la justice. L'actuel premier ministre d'Israël, Benjamin Netanyahu, lui est impliqué dans des bagailles. Moi, c'est que grand timidité en Haïti pour n'attaquer question et pour que pour monde qui tab gérer font l'État rendre des comptes. Moi, je n'ai pas une passion, je dire X, Y, tu volé l'argent. Maintenant, pour qui ça pas une lumière qui fait une fois pour toutes, pour que un monde qui épingle nos rapports, ait une chance pour la nettoyer établie. Moi, je te parle, il faut qu'on mette juridiction qui est compétente pour ça. Qui juridiction? Il faut qu'on mette monde pour ça. Par exemple, c'est coup des comptes qui vient pour faire ça. Mm-hmm. Et puis, l'autre bagaille qui vient encore, c'est que, ou pas perdre l'opportunité, article 200, là, les gens ont parlé, il faut qu'on en baille référence. On n'a pas qu'à parler d'après lui, même comme ça. Article 200 dit que c'est coup des comptes qui gagne attribution ça. Et qui problème ça pourrait présenter? Là, on prend par exemple des pays dans les Nations Unies. Je dis à monsieur, on prend rapport à. Il y a des gens qui portent plainte devant le tribunal de première instance. Non, il portent devant le cabinet d'instruction, juge Jean Morin. Là, on porte devant le cabinet d'instruction, où tu es représentant des Nations Unies, tu es encouragé ça. Ou tu es parlé tout, tu es critiqué ça très grave, que on personnel des Nations Unies fait preuve d'une telle incompétence que le parcours de structure juridique en pays pour le prononcer comme ça. Parce que moi-même qui t'ai écrit résolution, qui t'ai proposé, qui t'ai demandé coup des comptes pour le faire là, moi-même considéré que je t'ai corrigé une dérive parlementaire qui n'est pas bon pour le pays. Mais là, son langage nettement technique qui n'a rien à voir avec vos remontées. Pour qui ça? Parce que l'on parle devant juge d'instruction. Gombaga, il y a le droit d'accès à la justice. Dans la terminologie droit de l'homme, il parlait des garanties judiciaires. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des garanties que Bagayo a fait bien pour lui. Garantie, il y a une présomption d'innocence là-dedans, il y a un droit d'accès à la justice, il faut qu'il sente que son juge impartial va juger lui, il faut que c'est un texte de loi appliqué, ce n'est pas un caprice pour juger. Tout problème, ça, c'est des bagages qui existent et nous ratifiés pour eux. Et il y a un dernier bagage qui est fondamental, c'est le droit au recours. C'est-à-dire que le devant juge, ça, si vous jugez, soit incompétent ou bien mauvais soi, il y a une possibilité de décision là, de faire recours contre lui-même pour casser le pied devant. Ou qu'il y a un appel, après ça va en cassation, et cassation, son deuxième fois capable de trancher la question définitivement. Mais maintenant, l'on a un coup de compte qu'il y a. Or, tout le monde qui est ordonnateur et comptable de deniers publics, il dit que bien il grevé d'hypothèque. Ça veut dire que le monde n'a pas qu'à faire rien avec Caillou, avec bien encore, parce qu'il est sous hypothèque, il n'a pas qu'à vendre, il n'a pas qu'à faire rien. Qui veut dire aujourd'hui, un monde qui travaille dans l'État, même s'il a besoin de 200 000 $ américains
pour faire opération pour sauver un petit lit. Il n'est pas capable parce qu'il n'est pas capable de vendre bien de côté ministre ou bien de ordonnateur de fonds publics. Sénateur Augustin, depuis le rapport ça a soutenu dans le Sénat, il y a une Cour supérieure des comptes. Quel feedback nous avons? Comment interaction y a avec la Cour supérieure des comptes? Nous n'avons pas gain pour nous avoir interaction sur une institution indépendante que liée. Tôt ou tard, c'est le Parlement qui a venu d'après les procédures. C'est un bagage politique qui a été fait au pressé pour régler les affaires par eux. Mais tôt ou tard, les membres de la Cour des comptes, qui sont directeur général, ils parlent d'un arrêt de quitus ou bien de débat. Et si, par exemple, vous estimez de débat en cours de juge d'instruction, ordonnance de renvoi, vous estimez qu'il était mal géré, vous avez approuvé dans le cabinet d'instruction encore. Alors que ça fait là, une façon pour le faire dans les formes. C'est ça. Et dans le cabinet d'instruction. Comment comprendre que dans la même cour supérieure des comptes, le rapport Beauplan épinglé deux membres de cette cour? Bon, politique, si vous n'avez pas de patarin, mais par être dans le tribunal, là, vous n'avez pas de venir pour le préparer un procès. Il dit, mettez un tel là-dedans, puis on dit l'épingler. Et là encore, on dit l'épingler. Et que faites-vous de la présomption d'innocence? Est-ce que le fait que le monde doit indiquer de laisser tel bagage, vous considérez que ça véritablement? Donc, raisonnement terre à terre, là, il n'est pas même avec raisonnement juridique là. Et m'a pas dit que lorsque le coup des comptes fin fait rapport parle sous premier ministre ou, et ministre, ou, eh bien, la parle vous là, le Parlement. Oui. Vous connaissez qui côté la vous? Pas de commission anticorruption, non? La voie est en commission et c'est l'IC compétent pour faire quelque chose. Vous créez une autre commission, vous avez une mission l'autre commission. Vous laissez la commission des comptes généraux et de décharge. C'est vous-même qui pourrez l'analyser si vous méritez décharge. Et c'est à partir de ce moment que le sénateur va le toucher de questions normalement. Ça veut dire que pas de enquête qui finit, mais cependant, vous faites dans l'effort. Maintenant, nous sommes capables de dire que, ah mon cher, nous avons trop longue, nous avons changé, ça c'est dans la perspective d'amendement. Qu'on n'est pas capable de critiquer le fait que moi-même t'as respecté en constitution. Sénateur Kedde Augustin, c'est un intellectuel que le pays a produit et qui fait une différence dans le Parlement, dans la prise de position. En tant que citoyen de ce pays qui est meurtri, qui est en réalité socio-économique très grave, ou pas, jamais même en aparté, poser cette question avec des collègues, est-ce que nous ne sommes pas obligés, même en devoir moral, conduire nous à chercher qu'on ait comment 3 milliards de dollars ça a dépensé? Non, je crois que c'est moi-même, depuis que ça arrive, ma responsabilité, je pour me connaître. Je me connais quand même, je n'ai pas besoin, je n'ai pas besoin de personne. Si par exemple, si je suis un monde, j'ai besoin de protéger, ou bien j'ai besoin de craser, je suis pressé. Mais je n'ai pas besoin de faire ça à la loi. Par exemple, je suis capable que dans deux enquêtes que vous faites là, le rapport Yuria, il est épinglé dès la Valassien, en pile ministre de la Valassien. Et que, malgré le rapport, ça a été là, le sénateur Beauplan est venu le retirer. Les mettre l'autre monde tête calée. Donc ça veut dire que ces deux rapports ça au là parce que même dans la séance dernière séance qui fait là sénateur il a dit mais tel contrat est fait qui t'est mal passé mais les bail 3 4 5 me dit non écoute n'a font procès pour PEA sénateur il a dit tu pas capable dire mon contrat est mal passé faut que dire sous qui ministre sous qui gouvernement non qui là chaque fois il parle il dit belle rive mandé qui est encore belle rive troisième Michel Duvivier Pierre lui oh son camp qui pas dans même camp ensemble avec moi donc là me voit le coup des comptes ou bien Jude Célestin on monde avec fait que moi même c'est de Augustin d'app défendre Belle Rive Jude Célestin et c'est pas parce que me vinn c'est Belle Rive c'est Jude Célestin en tout pour me dire l'illégal donc même penser que c'est effort ça pour nous faire pour nous arriver gain monde qui poser problème à tête reposée pour permettre que nous sortir dans situation ça donc dans perspective d'amendement qu'a pas le fait là il est clair que faut que nous font effort pour nous rendre coup des comptes et c'est ça que fait me parler ensemble avec eux je dis me trop procédure parce que y a fond contrôle je parle souterrain. Donc, si vous n'êtes pas sauté, vous n'êtes pas capable de faire. Et la majorité de la corruption, qui côté le fait, c'est dans la surfacturation. Vous n'êtes pas capable de faire contrôle là pour parler de ministres qui, sur la forme, a toujours respecté la forme là, mais côté le faire, ils sont combinés ensemble avec l'autre monde pour faire la surfacturation. Voilà. Donc, il faut qu'on combatte dans le niveau ça. Je suis causé avec le sénateur Kedde Augustin, le représentant du Nord-Ouest, qui est de passage en Floride, et a parlé avec lui de réalité qui concerne le pays. Il y a un problème qui est très sérieux pour ce pays, c'est le problème de corruption que le chef de l'État lui-même a identifié, et que jusqu'à présent, qui était un vieux pieux, parce qu'en réalité, nous parlons dans la pratique qui s'est faite pour traquer et les corrompus et les corrupteurs. Je suis en pause, je suis tout à l'heure sur l'NTV.